Je crois que la Fondation a été un des premiers lieux qui s'est engagé auprès de mon travail et qui m'a invité sous différentes formes, soit solo, trio, duo. Jusqu'au moment où j'ai même été en résidence assez longtemps à la Fondation, pendant un an et demi, pour travailler sur la Fondation elle-même, ses archives. Donc c'est vrai que c'est une vraie histoire, une histoire qui est très ancienne. En tout cas pour moi, très profonde. Qui je suis, en une minute, enfin c'est impossible, ou presque. Bon. Qui je suis ? Après tout, pourquoi pas une minute. Alors dans ces conditions, je crois que le mieux est d'utiliser la langue. Je suis moi. Oh, vraiment, c'est trop. Vous n'auriez pas dû, vous ne devriez pas. D'autant plus que j'ai dépassé une minute. C'est une histoire de riots à anglaise, d'émeutes à la française, de maltine à l'espagnol. C'est dans l'enfer des Célios, Zara et Goupels, au paradis d'H&M, d'Adidas et Nike. C'est à la fois une soirée qui était pensée au travers de ma propre histoire, de mon travail d'écriture, des différents aspects de mon travail d'écriture, et puis nécessairement aussi de l'histoire de la Fondation elle-même, qui a eu, qui a eu une proximité très, très, très affirmée avec notamment ce qu'on appelle les formes de poésie contemporaine et de poésie sonore. J'ai pensé cette soirée autour de cette question de l'écriture sonore et de la poésie sonore, mais en la laissant se faire traverser par des objets qui pouvaient l'amener ailleurs. Que ce soit la pièce du chorégraphe David Vampac, qui elle-même est une pièce chorégraphique hantée par le rock'n'roll et la musique, ou le propre trio que je montrais avec Andy Moore ou Thurston Moore, qui est ce qui se passe après, en quelque sorte, la poésie sonore, quand elle commence à rencontrer des musiciens de rock, par exemple. Dans le cadre de la résidence que j'ai effectuée à la Fondation, j'ai créé un feuilleton sur la question de l'archive. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai fait un épisode avec David. Autour de Vaduz, il y a des Suisses. Autour de Vaduz, il y a des Autrichiens. Autour de Vaduz, il y a des Allemands. Il y a des Boros, des Kiyobas, des Tupis, des Sud-Américains, des Tyroliens, des Apalais, des Wayaouais, des Waros, des Galibis, des Gays, des Tupi-Guarani. Des Martiniquais, des Métis, des Canadiens français, des Esquimaux polaires, des Snang, des Lialo, des Adivasi. Thank you.
Denis a dit, je ne pars pas user en conflit avec mon sport. With a beat awning, spelling out the tuning of my future guitar. C, B, G, B. Top to bottom, or bottom to top, no one's clear. Five strings, the sixth, an O, as in O, as in on, as in Fug, original music for underground gourmandizers. She stirs, but she's still alive. She has pain, but she's still alive. She closes her eyes, but she's still alive. She struggles, but she's still alive. Elle est couchée sur le sol, mais she bows her head, but she's still alive. She is inconsistent, but she's still alive. She is disorientated, but she's still alive. Elle est pliée en deux, mais elle est toujours vivante. She is paralyzed, but she's still alive. Elle gémit, mais elle est toujours vivante. She is stretched out, but she's still alive. Elle s'agite, mais elle est toujours vivante. She is on a stretcher, but she's still alive. Elle lutte, mais elle est toujours vivante. She's in the ambulance, but she's still alive. J'en dis le moins possible pour que les gens qui sont présents puissent s'en raconter le plus possible. Parce que je considère que si j'en dis trop, d'une certaine manière, je vais donner mon sens à moi. Ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant. Ce que je préfère, c'est que les gens fabriquent leur propre sens à partir des matériaux que j'apporte. En période de crise, nous essayons de lutter pour la Ligue des Champions. And James Chaton. Andy Moore. Thurston Moore.